Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Dis bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première excursion de Ratchet sur PS3 Next Gen, voilà. Et ouais. Donc c'est Vince 4x4, c'est Yoyo, CRL et c'est VGM, notre ami. Et voilà. Aujourd'hui c'est Ratchet & Clank, Opération Destruction. J'allais dire que sur boutier. Oui, sauf que là cette fois-ci j'ai ma... version qui a été gribouillée par plein de personnes, donc voilà. Il y a de Shinsumiya Games, accessoirement. Oui, voilà. Ça va, il est assez fier de sa boîte. C'est pas mal. Je suis super fier. T'aurais pu avoir la version anglaise, comme Tools of Destruction, c'est quand même plus classe. Oui, mais bon. Enfin... Opération Destruction, ça va encore. C'est moins pire que Alice, Retour au pays de la police. Ou les visions de Drake. On est parti dans une nouvelle galaxie. Voilà. Ce qu'on peut voir direct, c'est que le style graphique. Claque. Ça envoie une claque. Le jeu est sorti en 2007, fin 2007. Fin 2007. Première année de la PS3 en Europe. Et très franchement, ça envoie toujours le pâté. Moi, je suis désolé. C'est beaucoup moins. C'est moins poussé que les tout derniers. Ouais, mais voilà, mais ça reste super beau, quoi. Voilà, pour l'époque, le jeu était magnifique. Ouais, regardez-moi ces effets d'éclairage. Quand on débarquait des Ratchet PS2 et qu'on voyait ça, on s'est dit waouh, quand même. C'est vrai que. C'est ça la. Quand on passait. Déjà, la première réaction qu'on a. Que la plupart des gens avaient sur la démo, c'était que dès que la cinématique d'intro se terminait, c'était pas du tout. Enfin voilà. C'était juste énorme parce que tu confondais le jeu en temps réel et la cinématique, quoi. Donc, non, mais le jeu est une énorme claque graphique. Oui, c'était forcément vu qu'il y a ses successeurs qui sont forcément des évolutions. Voilà, mais ça garde quand même de son charme. C'est un super cachet graphique. Non, tu peux pas contrôler la clé. Donc sinon les graphismes c'est bien, mais alors qu'est-ce qu'il apporte d'autre le jeu? Alors le jeu, bah déjà on va expliquer là où on est vite fait. Hein, donc là on est sur une planète désertée parce que... il y a plein de planètes. Voilà, il y a toujours cette idée de passer de planète en planète, sauf que là on est sur... Les Manitou Bots, je sais pas si vous avez montré. Oui, alors les Manitou Bots... de... Walter Korkowski. Voilà, donc qui est ce Walter Korkowski? En fait, c'est un compositeur. C'est celui qui a composé donc les musiques de... Celui qui a composé les musiques, c'est David Bériot, un français. C'est toujours lui depuis le début de la série des Ratchet jusqu'à... Il avait fait celle des Spyro aussi, accessoirement. Donc voilà, un compositeur en qui on a foi, nous fans. Invétéré de... Voilà. La musique, elles sont bien, ces opus-là. Alors, on peut l'écouter, là, je crois qu'elle est pas mal, celle-là. Voilà, c'est pas forcément la meilleure, mais il y a de très bonnes propositions. C'est toujours aussi sympathique. Toujours l'idée... Le jeu s'en sort bien, donc non, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il y a moins d'originalité que les anciens opus. Bah évidemment on va retrouver par exemple le lanceur de grenades, le lanceur de... Mais ça c'est des armes qui sont devenues un petit peu... Voilà c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de nouveautés. Il y a quand même le fouet électrique qui est quand même super bien fait. Le fouet électrique, le fouet électrique c'est ça, le gros vitron. Le fouet électrique s'il te plaît. Alors les fouets électriques, alors je vais... Il me reste 30 munitions. Voilà. Il est tellement puissant. Alors c'est puissant et en plus ça met plein d'effets à l'écran et le jeu ne souffre d'aucune baisse de frame. Alors là carrément il tourne en 60 fps. En plus. Voilà. Oui, il est en sauvage HD mais ça se voit presque pas. Et donc là on fait un coucou à notre ami Herbé qui kiffe lui le 60 fps, est un fervent défenseur et t'es mort. Voilà. C'est pas grave parce que je vais revenir au début de la PS. Dans les armes il faut surtout pas oublier aussi Monsieur Durcon qui est plus culte. Mais ça on vous laisse découvrir les armes parce que... Il y a juste, on va montrer juste le gros vitron. On va juste montrer le gros vitron. Le gros vitron qui arrive dès que j'aurai des ennemis, donc on le montrera quand il y aura des ennemis. Il y en a là-haut, ne t'inquiète pas pour ça. Donc je vais continuer avec cette petite phase de plateforme, ce petit bug de collision et ce fameux... Ça, le gros vitron il est pas upgradable. Même il fait partie des armes qui sont pas upgradables. Alors en fait, ce qui se passe avec le gros vitron, c'est que les ennemis sont pris une fureur incontrôlable. Et le pire, c'est que ça marche aussi avec les boss, quoi. Alors ça marche sur les boss, mais beaucoup moins bien en fait. Les boss, c'est que ça dure moins longtemps, d'accord, mais ça marche quand même. C'est-à-dire, il y a une chorégraphie pour chaque ennemi. Et donc ça, c'est vraiment énorme. Et il y a même un trophée dans le jeu qui est super dur à obtenir. Oui, il n'y a pas de trophée dans le jeu. Il n'y a pas de trophée, oui, c'est un point de compétence. Ils sont toujours là depuis le début et qui rajoute à la durée de vie. Voilà. Va peut-être montrer avant la... Parce que bon, là en fait... En fait, là, ce qu'on voulait vous montrer, surtout ce pourquoi on est sur Planète. Terminé sur les armes, c'est-à-dire que vous avez des armes récurrentes qui viennent des... qui sont inspirées des anciens opus de la série. Il y a aussi des dispositifs, donc le gros vitron, etc. Ouais, voilà, c'est des dispositifs et eux ils sont pas upgradables. Voilà, donc là on se retrouve dans une phase avec Clank. Donc on vous a pas montré des... Et donc là vous avez même entendu une propagande de la marque OS, Sony. Tu vois, tu as écrit tout ça ensemble. Un petit problème. Non mais voilà. J'avais pas pensé à ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Donc en fait les Zonis sont des créatures mystiques. Enfin c'est plutôt bizarre, qui permettent à Clank d'avoir différents pouvoirs. Qui n'apparaissent que à Clank en fait, c'est-à-dire que Ratchet ne pourra pas voir les Zonis. Ne pourra pas voir les Zonis. Pas voir les Zonis. Donc on les voit, il fait comment? Il fume un vélo. Non, voilà. Clank, il a vraiment une destinée qui est un petit peu supérieure à celle qu'on pourrait. C'est un peu le fil conducteur de l'aventure. Voilà, c'est le fil conducteur de toute la trilogie qui est sur PS3. En fait, c'est quoi le scénario de ce jeu? Donc voilà. En fait, le scénario de ce jeu, c'est Ratchet commence un petit peu. S'emmerder. Non, la base, c'est que la Métropolis est attaquée par une armada géante de l'espace. Voilà. Voilà, autant dire que la narration à la base en fait elle est beaucoup moins poussée à la base que les autres épisodes. Enfin, la trame principale, la trame non, en fait... non mais à la base je veux dire le premier monde en lui-même c'est moins poussé que les autres épisodes. Bah, évidemment. Oui, c'est-à-dire qu'en fait on va nous laisser découvrir pourquoi on est là, pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que Tachyon, le méchant de l'histoire, qui vient nous chercher à Métropolis, va nous dire qu'on est le dernier des Lombax et qu'en gros, bah, il nous pourchasse pour ça parce qu'apparemment, il n'aime pas trop les Lombax, quoi. Parce que la race des Kragmites, donc celle de Tachyon, a une haine assez infinie contre les Lombax. On va découvrir tout ce background au fur et à mesure. C'est pour ça que la narration au départ est un petit peu différente de ce qu'on a pu découvrir dans les autres opus. Voilà, mais au final, c'est pour apporter plus de profondeur. Voilà, il y a plus de profondeur. Donc là, toujours Bon, les petits... Les Zonis, il faut expliquer un peu ce que tu faisais. Voilà. Alors, les Zonis, ils nous permettent d'avoir plein de pouvoirs, dont notamment la lévitation. Tu peux la remonter encore une fois. Que j'ai montré tout à l'heure. Et manipuler les objets. Ils vont sur les emplacements et... Ils réparent en fait. Tadam, c'est magique. Même plus besoin d'aller à Bricorama. Oui. On va pas faire de pub pour des magasins. Voilà. Et aussi, nouveauté du gameplay de Clank, c'est la possibilité de ralentir le temps. Donc, on a pu le voir. Vas-y. Voilà, on a pu voir que là. Avec un effet quand même visuel vachement sympa. Bah oui, du coup, parce que les animations sont ralenties, etc. Et c'est assez. On peut voir que les animations sont super bien soignées. Parce que sinon l'animation serait saccadée si le ralenti était mal fait. Quoi. Voilà. Donc non, franchement, il y a. Les phases à Clank, c'est peut-être les meilleurs pour l'instant que je vois dans la série. C'est. Je dirais que celle-là, il y a un vrai retour aux sources par rapport au premier et au deuxième. Voilà. Elles étaient vraiment bien foutues. Et on va voir dans les opus qui vont suivre. Enfin, dans le Park Time. Voilà, c'est meilleur quand même. Qu'il y avait vraiment encore mieux à faire avec donc cette idée de manipulation du temps, ça on verra ça dans les opus. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à une planète. Ouais, on va faire une petite coupure, on va se signaler. Donc là voilà. Donc on a toujours ces phases qui ont été changées quand même. Alors, il était temps. Voilà, là vous l'avez pas vu, mais en fait normalement il y a des passages spatio-temporels. En fait on se retrouve dans un tunnel. Enfin, ouais, c'est spatial quoi. Ouais, voilà, c'est bizarre. D'ailleurs, un trou noir. D'ailleurs, tout le monde aime les trous noirs. Surtout parce que ça a été noté dans un sondage. Hein? Donc, non. Alors, donc là, on se retrouve sur une phase en vaisseau. Donc, voilà, c'est un rail shooter. Un semi-rail shooter. Ouais, un semi. Bah, en fait, il y a. Le vaisseau et le viseur. En fait. Voilà, on vous avait montré déjà les phases en vaisseau dans Ratchet Clank 2. Qui sont complètement différentes parce que là c'est un rail shooter quoi. Enfin, bah là c'est un semi rail shooter mais il y a des vraies phases pures de rail shooter. Et ce qu'il faut dire sur ces phases là c'est que visuellement c'est bluffant. C'est bluffant. Quand le jeu est sorti c'était là. Il y a des effets de. Il y a des effets derrière c'est juste splendide on peut dire. Il y a des effets de fumée. Regardez mais tous ces petits modèles 3D là qui ont été ajoutés. N'hésite pas à tirer pour montrer que même avec 50 000 trucs à l'écran le jeu reste fluide. Voilà. Ça c'est vraiment. Pour un début PS3 c'est quand même. C'était très encourageant quoi. Et en plus c'est fun à jouer. C'est fun à jouer, c'est rapide, c'est dynamique, on s'emmerde pas pendant ces phases. on sent que ça raconte bien, c'est super actif, il y a toujours de l'action à l'écran et voilà. Ouais. Et donc au niveau du commande. Ouais. Et au niveau des commandes, c'est très intuitif parce que alors en fait le joystick gauche va servir à déplacer le vaisseau sur la surface de l'écran, c'est-à-dire que ça va se déplacer sur un plan 2D. Voilà, de toute façon, c'est pas vous qui contrôlez le vaisseau à proprement parler. Voilà, vous n'avez pas contrôlé la direction du vaisseau, où est-ce qu'il va aller, quoi. Vous avez juste... Dans l'écran, pas dans l'écran. Voilà, c'est comme si c'était... À droite, à gauche. Oui, voilà, c'est ça. Le joystick droit, en fait, va servir pour le viseur. Donc, c'est-à-dire que le viseur, je peux le déplacer. Et au niveau du tir, il y a tir primaire, secondaire... Tir primaire, c'est... Mais quand même, à dire, au départ, ça va pas être forcément super simple de coordonner mouvement de vaisseau et mouvement de... On s'habitue un petit peu... On s'y habitue au fur et à mesure, ça vient très vite... Et c'est vraiment fun à jouer, quoi. C'est surtout ça. C'est impressionnant. Enfin, il y a des phases qui sont vraiment impressionnantes. Ouais, il y a des explosions partout. Ouais, non, mais là c'est. On n'a pas montré on n'a pas montré des phases impressionnantes là, parce que. On vous laisse découvrir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore acheté la PS3 et qui sont fans de la série. Voilà. Donc, voilà. Et là, phase pure de rail shooter. Voilà. Donc là, on ne bouge pas. Voilà, on est en mode Star Wars parce que beaucoup de toute la série. Il y a beaucoup de références, c'est beaucoup inspiré de Star Wars, etc., de l'univers Star Wars, c'est-à-dire les villes au-dessus des brouillards, etc. Voilà, non mais le jeu a beaucoup il a pris énormément à beaucoup, et en même temps il le fait tellement bien que c'est presque dans son propre style, quoi. Voilà, c'est ça, on a l'impression qu'en fait le jeu a inventé quelque chose, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. Il a inventé, bah oui, on voit pas ça souvent, quoi, c'est original. Voilà, c'est ça, ça mélange, ça fait un super mélange de gameplay, etc. Et les couleurs sont magnifiques, quoi, la palette de couleurs. La palette de couleurs est magnifique. Par contre, il y a peut-être un petit peu trop de textures qui brillent. C'est-à-dire que. Je trouve que c'est assumé, que c'est joli. Ouais, chacun son voilà. Ce qu'on peut signaler sur le jeu, ça va pas montrer voir, mais c'est que l'humour est quand même moins présent dans les autres épisodes. Alors il y a un humour, mais. Il y a un humour, mais il est pas très recherché comme enfant. Voilà, évidemment, c'est plus basique. C'est plus dans le gag immédiat que dans les références. Oui, non mais enfin, et surtout le gros problème de ce jeu, mais ça c'est, on peut pas en vouloir à Insomniac parce qu'ils sont pas du tout responsables de ça. C'est le doublage français qui a eu un gros problème, c'est-à-dire en fait ça s'est passé avec la marque rose. Marc XVI a été a été licencié de son poste, voilà. Et c'est vraiment dommage. La voix, c'était Marc XVI, la voix de Ratchet, voilà, c'était la voix de Ratchet dans les opus PS2, et faut avouer qu'elle était juste excellente. Bah oui, puisque ça mêlait improvisation et traduction littérale du texte. Voilà. Et là en fait on a perdu tout cet aspect, alors même si la voix de Ratchet s'en sort plutôt pas mal, alors le nouveau doubleur c'est Cyril Parteau, il a fait plusieurs doublages de dessins animés, etc., il me semble. Donc, mais le jeu reste plus agréable en VO. Voilà, il est toujours plus agréable en VO, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'option sous-titre français. Continue de tirer. Et sinon un autre truc, même le plus gros truc qu'on peut approcher le jeu à part ça, c'est que finalement, à part ces phases là en vaisseau, niveau originalité, ça pêche un peu. Voilà, Zor, il reprend un peu le meilleur de tous les épisodes d'avant, mais il invente pas grand chose. Il ne surprend jamais, à part là, sinon il surprendra, le jeu surprend vraiment jamais. Ouais. On est dans du Ratchet, tout ce qui est de plus classique. Oui, parce qu'il y aura la vraie surprise en fait, c'est que Ratchet soit venu sur PS3, quoi. Voilà. Et donc à partir de là, à mon avis, ils ont dû mettre beaucoup de temps à apporter l'univers. Après, la musique. Ah, c'est con, on a manqué le moment mais bon, bref, épique de violence. De toute façon, vous pouvez aller sur Ratchet Galaxy pour écouter les musiques, de toute façon, mais là on va passer à une autre planète. Voilà. Un monde beaucoup plus ouvert, plus riche, voilà. Et voilà, Ratchet vient juste de s'échapper de prison. Et non, oui, c'est un mytho. C'est un skin débloquable depuis Agent Secret Clank. Donc voilà. Alors on a de nouveaux personnages. Non, attends, j'aimerais que tu... Voilà, le contrebandier. Maintenant, voilà. Maintenant. Ah super, j'ai eu fric. Donc en fait, il y a des... Voilà. Donc il nous donne des missions, en fait, c'est un chasseur de primes. Voilà, c'est un sale chasseur de primes, sans foi ni loi, on va dire. Voilà, ce qui est marre, du coup, il nous demande de faire le travail, c'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des... Enfin, dans ce jeu-là, par rapport au précédent, il y a des petites phases où vous allez, par exemple, choisir les questions. Par exemple, j'ai un holoplan complet pour l'arme. Bah ouais, il semblait que tu réussis, et voilà. Et ouais, il va nous donner une arme qui semble débloquable à la fin du jeu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais évidemment, voilà. Alors, va montrer vite fait les armures et les nouveaux vendeurs. Voilà. Parce que c'est... Non, non, derrière, c'est oui, derrière toi. Donc, on l'a dit, voilà. Le système d'évolution des armes est un peu particulier. Voilà, c'est que on l'a vu au tout début de la vidéo, on peut récupérer du raritanium, on l'a vu sur Fastoon. Ouais. Voilà. Et, et donc ça, ça nous permet de faire évoluer les armes. Voilà, donc, comme on peut partir d'un départ et après appuyer à chaque fois pour débloquer. En dépensant du raritanium à chaque fois. Alors, bon, là j'ai plein de raritanium. Le problème, le système est ambitieux. Oui. Mais pas à la hauteur. Mais c'est pas à la hauteur parce que au bout d'une partie, on peut tout développer pour une arme. Et il n'y a pas vraiment de choix à faire, donc au final on aura tout débloqué. Les armures, vite fait. Donc c'est pas très intéressant au final sur la durée. Ouais, mais c'est une tentative sympa. Mais c'est une tentative sympa. Et voilà, là on voit notre nouveau vendeur. Alors le nouveau vendeur c'est Grumanette. Voilà. Bon, il est sympa. J'ai acheté toutes les armures. Et donc, bon, voilà. Et là, toutes les armes, voilà, vous allez retrouver plein d'armes. Par exemple, vous allez retrouver les Gadgetron rasoirs. Grumanette, c'est le vendeur de Polaris. Oui, voilà. Grumanette, c'est. Dans Solana, c'est Gadgetron. Gogon, c'est. Ah oui, ouais, c'est. Galaxy. Ah, t'aurais pu tenter. Le truc super sympa sur cette planète-là, c'est un fail. Je voulais vous la montrer parce que c'est la seule planète dans tous les Ratchet où on trouve des sortes de gros dinosaures, entre guillemets, des sortes de monstres comme ça. Et c'est vraiment l'univers de Ratchet ici. Il s'y prêtait vraiment, et il y en avait pas eu encore eu, donc c'est vraiment un manque un peu qui est comblé. Et donc il y a des phases comme ça aussi. Voilà. Alors les phases là, c'est ce qu'on n'avait pas pu vous montrer dans le 2. Voilà, dans Ratchet & Clank 2, on l'avait pas montré parce que présent, on pouvait pas battre des ailes à l'époque. Voilà. Voilà, il y a une nouveau sympa, ça permet de se balader dans l'environnement et de constater à quel point il est riche en détails, sympathique, travaillé. Non non, franchement le jeu est beau, le jeu est fluide, ça, il y a pas de problème. Les environnements sont assez variés, mais on retrouve vraiment les mêmes types d'environnements malheureusement par rapport au précédent. En même temps, ils avaient un peu fait tous les types d'environnements. Voilà, donc à partir de là, ils étaient obligés. C'est juste au niveau de la monstropédie où on voit énormément de nouveaux arrivants. Voilà, vous avez des monstres surtout qui au final sont classicisme quoi. Et puis aussi, ça a durée de vie qui est quand même beaucoup plus courte que les premiers. Voilà. Voilà, donc on peut. Même si la campagne solo, je l'ai trouvée un petit peu plus. Et sa difficulté qui est relativement basse, quand on difficile, le jeu est facile. Ouais. Enfin, pas difficile en tout cas, il est normal. Enfin, vous aurez pas trop de difficultés. Même le mode défi n'apporte pas vraiment de difficultés supplémentaires. Le mode défi, je l'ai vite arrêté parce qu'il me l'a dit tellement difficile. Vous allez, mais en fait, au départ, vous allez peut-être un petit peu galérer avec 13 points de vie. Là, on en a 999. Oui, mais par rapport à Ratchet Gladiator, dans Ratchet Gladiator, vous pouvez augmenter votre vie jusqu'à 999. C'était hyper long, alors que là, vous allez, carrément gagner 4-5 points de vie en même temps, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter sur une note. Montrer une arme plutôt fun quand même, juste le disco pour montrer l'évolution. Je voudrais juste montrer ça. Oui, qui se fait grâce à la Sixaxis. Ça c'est Sony qui a dû dire on vient de sortir la PS3, vous devez intégrer la Sixaxis. Mais n'empêche que c'est le premier jeu qui intègre vraiment bien la Sixaxis. Oui, et là c'est vraiment cool. D'autant plus que ces phases-là en Hello Robot, c'est en 6-axis. Oui, mais là j'utilise le joystick. Tu peux utiliser le joystick, mais c'est plus fun, moi je trouve d'utiliser. C'est vraiment des petits ajouts sympas, et donc voilà. Voilà, donc voilà. On lui mettra une note de 16 sur 20. Il y en a qui seraient sûrement pas d'accord. En fait, ça va osciller entre 16 et 17. Enfin, moi je mettrais plutôt 17 parce qu'au final, le jeu se veut varier. Mais 17, c'est quand même pour un jeu qui est inventif, qui apporte quelque chose de frais, en plus d'être beau et intéressant. En plus, il y a tout un tas de personnages secondaires. Les personnages secondaires ont tous une âme. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont pas tout à fait creusés au niveau. Mais voilà. Donc on s'arrêtera sur une note de 16 pour certains, 17 pour d'autres. Ceux qui préfèrent vraiment l'aspect graphique et la direction artistique. Voilà. Il y a un jeu qui invente pas grand-chose. Voilà. Sur ce, on vous dit ciao, bye, merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour l'avant-dernier opus. Ratchet et Clank, vous le saurez la semaine prochaine.